Madame, je fais cela le chrono. Vous savez? Bonjour. Il y a une notion de publicité aussi. Il y a la notion de la pub aussi. Car moi, ici, oui. Nene Ryan, quand lui il est plus connu que son papa. Donc voilà, je suis comme moi, Mohamed Abdou, pour faire une présentation avec ma artiste Wailouan, ou Komor, Gerinji Harmaï, ma 17 ans. Ah oui, oui, oui. Marhaba, Léo, Gafkiri Harmaï, ma téléspectateur, ou à tout le monde, je vous réalise, parce que tu parles ça, ma artiste, ou Komor, c'est musique Zahaozo, 100% Shkomori. Donc, nous, ma couronne, et nous, les noms, il y a une société, un groupe, ma couronne, nous, il y a un artiste, Hadani, Rajab, Mvulana, oui, Mzali, Hani, Harmon, Joua, Chamle, Haya, Gabo, il y a un artiste, Mhoun, Tsena, ou Divisa, ou Diviso, ou Comor, origine comorienne, Rayad Mohamed, c'est un jeune rappeur très connu, Yaza, Harmon, Joua, Paris. Donc, on a dit que je suis un gars. D'accord. Assalamu alaikum. Adani, tout d'abord, bonne fête. Hein, merci à vous aussi, merci à vous aussi. Bonne fête. Merci à vous aussi. Adani, Ardou Mekanim, Rombo Zimbabwe, ou à ma téléspectateur, comme Wardungao, Gerija, ou à la semaine. Assalamu alaikum. Je pour Rajab, ou à Madeleine Diomba, à Rélezao. Je ne sais pas. Sinon, on venait à coup parce que Hassa venait. Je pour Rajab, ou à tout Chamlé. Oui, des mois, je pour Rayadi, ou à Mdjinia. Moroni na Chamlé, si bien sûr nous c'est vrai depuis longtemps et c'est un jeune rappeur. Alhamdoulillah, maintenant ça marche et on continue le chemin. Handani, félicitations parce que Sangaliaz et Klipuzaho, c'est on va connaître qu'on visite Zinji, le nombre d'abonnés ou le nao et le nombre aussi de vues qu'au endroit Komori, on a senti mal qu'au Komori au haou et communauté Komori, on va soutenir au moins et les démarches des artistes. Depuis le début, je me suis dit que je suis allé à la maison de Shababi, je suis allé à la Maraba, Ranzi Hale Swafi, parce que Sandi Sabi, c'est Ranzi Hale Swafi. En 2012, je fais une carrière solo et la jeunesse me suit et je tiens à les remercier beaucoup. Merci, merci. C'est surtout que les musiques qu'ils ont, ou si ils ont, je suis presque pire, imagine, quand je suis allé à Léon, et on a échelé en tout cas. Mais c'est rendu 2009, on avait un groupe qui s'appelait Section Mafura. Et depuis qu'on a. Même pendant le groupe, au moment donné, Donc je suis toujours resté dedans et j'essaye. Du début à la fin, parce que je suis allé à Chizungo. Et surtout, les passions, ça vient d'où et ça commence quand J'ai fait de la musique depuis tout jeune, parce que quand j'ai 8 ans, 9 ans, à peu près comme mon fils, je faisais de la batterie pour un orchestre. Je me disais, j'adorais mes batteries. Et j'avais 8 ans, 9 ans. Et à 10 ans, je suis parti des Comores. Mais c'est. À 15 ans, je suis arrivé en France parce que j'ai vécu en Libye. Et à 15 ans, je suis arrivé en France. J'ai continué. Mon premier son, je l'ai fait quand j'avais 15 ans. J'ai commencé à chanter directement. C'est surtout c'est là quand comme l'ongo non handani mugo ne premier plan mugo fikiri mugo no makono do ave che char dongalia c'est toute une équipe qui entoure et pour marcher mugo ka dure mon no avec ka dure ma konsa et de quoi au réseau de mamiche ça il faut on est obligé d'avoir un groupe derrière qui suit qui nous dit ça c'est bon ça c'est pas bon
Je tiens à remercier cette équipe parce que sans eux, j'aurais continué, même sans foot. Monsieur Diofana m'a dit que si vous avez mis le temps de Dieu, vous avez organisé le calé, vous avez mis le petit Oeline, vous avez mis le Fanchal, et c'est encore mieux de travailler comme ça. Et surtout Rayad, qui est lui, qui est plus connu que son papa, est-ce que ça fait pas peur que quand on a un enfant qui est trop âgé pour démarrer une carrière musique comme ça? Si, ça fait beaucoup peur parce que moi, au début, on faisait pour rigoler, on a toujours fait et les gens, ils aimaient bien. Je me rappelle au début, je suis parti faire un concert au Comores et les gens, ils attendaient tous Rayad. Mais cette époque-là, il n'était pas connu. Donc les gens, ils aimaient bien. Et depuis que j'ai vu qu'il était beaucoup connu, j'ai commencé à voir le contraire. Les gens, les mêmes personnes qui l'aimaient, ben, ils sont en train de dire que là, tu es en train de foutre ton fils dans la merde, tu es en train de. Ça fait peur au début, jusqu'à au point de tu vas te décider quand même à Zanzibar, au Maloni. Mais c'est presque ma mère qui m'a dit c'est son chemin et si tu le coupes là, c'est peut-être tu vas le couper sa chance. Et depuis ce jour-là, j'ai bien réfléchi. Il joue au foot. Au foot, il n'a pas percé. Il joue au truc. Donc c'est chacun a sa chance. Je pense qu'on faisait de la musique pour rigoler. C'est monté à un niveau que maintenant ça rigole plus. Je peux pas dire non, j'arrête, je retourne à la rigolade alors que la bande m'a passé. Ben là où là où m'a passé. C'est le dossier à Djaoubari, ça perçait. Parce que c'est ce que les gens ils veulent et là ça marchait. C'est le dossier. Alors, Ayad, toi, tu penses à continuer à faire la musique ou plus tard, tu penses à changer, faire autre chose? Bah pour l'instant je continue la musique, mais quand je serai grand, je sais pas si je continuerai à faire ça ou arrêter. Alors, quand on est star, alors, ça se passe comment à l'école? Est-ce que les élèves comme toi, ils sachent qui est Ryan ou Oui. ils sachent que tu es une star? Oui. Donc, c'est une histoire de famille. Quand on est à la maison, est-ce qu'on parle de la musique souvent ou... Oui, souvent, le soir, surtout avec papa, on parle beaucoup de la musique américaine, française. Est-ce que ça aide quand on a un papa qui chante aussi? Ça aide Oui. dans le côté musique star. Oui, beaucoup. Alors, c'est une histoire de famille, moi là-bas. C'est une histoire de famille. En fait, le studio, il est à la maison. Moi, j'ai toujours chanté. Ça fait un bon moment, je chante pas à la maison. J'ai fait tous mes trucs à la maison. Et il est là, il est à la maison, il voit ce que je fais. Donc, il s'est mis dans le chemin. Au début, le premier son, on a fait vraiment pour rigoler. C'est un bio. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu que vous avez mis ça en extrait. On a fait vraiment ça pour rigoler parce qu'un jour, Tskahazini, au direct au studio. Un jour, il est venu me voir en abocabane. Papa, il studio. Car tu vois la musique, la musique. Viens, je pose ça en couplet. Je ne suis pas d'accord que déjà tu fais tout le temps de la chanson. Et je l'ai laissé chanter ce couplet-là, le bio. Que papa, je ne le vois pas, il est rarement là, il est jamais. Et depuis ce jour-là, j'ai vu ça cartonner. Et puis depuis ce jour-là, on a continué son chemin, on a continué à faire de la musique, on a continué à l'enregistrer. Donc, on trouve qu'on est en Ordunga, on est en Chabaye, on est au Posé Masuala, et Martiste Hatouka, on est privilégié chez le Bruit de Comore, on est en Mongo FM, on est à Laïki, au Squalon. Alors, moi, je suis Mohamed Abdou, et c'est une fierté Tout à quand on a fait. une famille, Tout le à papa fait. il chante, le fils aussi chante, et les deux sont connus. Tout à fait, oui. C'est Alors, une fierté, fierté soit fille, les mamans qui vont les chaînes libres vont nous, et on dit, on découvre la famille. On a dit, allez, non, non, parce que les choses sont en train de se faire, les choses sont en train de se faire. Quand tu as joué, bon, Adani l'autre jour quand nous, les Macomoriens ont un talent, un talent zin d'origine, bon, on doit en amener aussi des talents zin aussi développer, moi, amano, il y a ces dix lois, on doit on est talent haï, on doit on est surtout un artiste ou un d'origine au Comore, bon, on joue on est nous, on chine on courbier, on fait les propositions. Pourquoi pas, hein? Donc, Wajoro ne ça va C'est surtout que le talent, il est là. C'est juste un endroit où on encourage, un endroit où on s'aide. tout Et à lui, fait. surtout, où on a un album, il court, comme par hasard, il court à l'éloignement. Ah oui. Alors, il parle un peu, Armand, on trouve qu'on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Déjà, je me suis dit, mais au moins, le rap. Rap, on va l'ouvrir, soif, soif, soif.
Au début, ça a étonné beaucoup de monde et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai attiré la jeunesse parce que ça a étonné beaucoup de monde. Les gens, ils n'attendaient pas. Il n'y avait pas un rappeur qui osait dire des trucs que je dis. Et je suis venu à la fin, tu as arrêté, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, à la fin, on m'a dit, tu as décidé, tu as dit, 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 tu as J'ai vu le projet, il est sorti ce matin. Du matin jusqu'à maintenant, j'ai vu, il y a déjà eu 2000 écoutes sur l'album. Je tiens à remercier encore le public, c'est qu'il est encore là. Je tiens à remercier encore le public. Surtout, il m'a dit, Mrona Boka. Messages un vrai engagement, surtout la vie, il faut comme le combat de chaque jour au Manadam ou à la à combattre pour y arriver. Ah, merci de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le contraire. Il y en a qui disent que c'est le contraire. Chamimi ou Namade Haliobi ou Donosse, mais j'aime bien la musique. Je réfléchis tout ce que je dis. Je réfléchis tout ce que je dis. C'est la mémoire de Koko Hangu. Je dénonce beaucoup ce qui se passe ici par rapport à la jeunesse, que ce soit dans le bangé, que ce soit dans le truc. Je dénonce beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un truc que. Il y a beaucoup de gens qui me remercient parce qu'ils ont dit que je suis remercié. C'est ma jeunesse qui a été dénoncée. Je suis un peu dénoncé. Je suis un parti gauche. Vous avez quelques messages, ça passe mieux dans la musique que autre chose une fois normalement aux associations côté musique le message ça passe très bien armes et jeunesse surtout ouais parce que quand fikiri kai et jeunesse ngwe lewa et au wandungu lewa le majimbo parce que ngwe shio ni wishia je discours ngwe ça la jeunesse moi social ce tiamba mais c'est ce jeu du ngambio national en fait je pense mais le discours il est là en musical donc ngwe shio kwe lewandro ni wishia kwe lewandro en fait. Et c'est ça qui fait que les gens ils me remercient et me disent que j'ai un côté qui dénonce tout ce qui se passe. Alors, madame Mohamed Abdou. Non, non, même si je suis allé surtout à Mouana, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, côté artiste, quel conseil vous avez donné. Je suis allé à l'école, je suis conseillé parce que récemment, là, au rond d'occasion, il y a donc je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à no fundi wai wai ya kauri conseiller rika obligé ngonde papier ya fundi nge autorisé waende iho no fundi wai ya kauri pare ya rambio kanga msedioni parce que ngamonoke mwana et mwana msuji vante cha depuis tout petit c'est toujours été un premier de la classe et inchallah ka ye ka des avantages ho ka ya dia heze shangono ka au contraire ngi avantage parce que ngou enregistré beaucoup de trucs et quand il va à l'école deux fois la maîtresse yona ba ka rayad il veut, au bout d'un moment ngabi na mari parce que j'ai l'impression c'est lui le maître et c'est plus moi il vient quand je explique ngou fikiro ka ka explique na nyanga jo mo lewando raha na bi maître. Donc, il y a ce côté-là qui gênait un peu le maître, mais là, il a essayé de le travailler. Ça, mais au niveau bien. De l'école, il travaille super bien. Il a même voulu être passer des étapes supérieures. C'est nous qu'on a refusé, qu'on veut qu'il avance tout doucement. Il avance tout doucement. Niveau sport aussi. Niveau sportif, il est au foot. Il est dans un club de foot à Sebran qui s'appelle Sebran FC. Ça marche super bien. Il est en U9. Il est parmi les meilleurs de son truc aussi. Et ça avance super bien. Chaque fois, le coach, il nous appelle pour lui dire qu'on vous félicite par rapport à votre fils. Tous les jours, il y a une évolution par rapport au foot aussi. C'est très bien. Donc, il y a un mouhimou, parce que nous, on joue ma téléspectateur, on a une émission, on a joué à Nindro, surtout moi, et au côté école, on a joué à Yézera Porzagne, la musique, on a joué comment ça se passe, Gazibrao, Mimi Fanatan, tous les jours on parle pas de musique. Tous les jours on parle pas de musique parce que déjà mieux en Angola Laraka. Depuis qu'ils sont tout petits, ils dorment à 20h, ils n'ont jamais dépassé ces 20h-là, à part les jours qu'ils n'ont pas d'école, le week-end ou quoi. Donc on n'a pas beaucoup de temps de parler de musique. On s'est mis des jours tous les vendredis et tous les samedis on parle de musique, à part les autres jours. Les autres jours, on va parler des musiques qu'on va écouter, mais on va pas parler de nos projets, on va pas parler de nos trucs. On a laissé des jours, un vendredi, un samedi, pour travailler ça. Ryan.
quand tu t'es vu à la télé, passer à la télé, parce que moi, quand je t'ai vu la première fois, je t'ai vu à la télé, dans les chaînes françaises, on dit, ça y est, le plus difficile est fait, ou le plus difficile reste à venir, quand on est jeune comme toi. Bah franchement, je sais pas trop, mais moi je dis le plus difficile est fait. Pour moi, c'est le plus difficile Donc, Abdi, qui on a a été validé. été technicien na morso retenu en Babi, il y a eu un truc comme le Nordunga, ou à la Zuzumba, un artiste, ou à Hama, Afkiri, technicien qui est prêt, nous retenu na Moutassari. Il dit qu'il n'a pas le choix, alors il bosse. Pour tourner une vie meilleure, il faut qu'il bosse. Il n'a pas le choix. Papa me dit, mon fils, ici pour s'en sortir, c'est dur. Mais moi, du haut de mes 6 ans, je ne suis pas encore mûr. Il me dit que pour comprendre, il faut que je sois patient. Il n'a pas le choix. Est-ce que Raya, tu aides papa à écrire ou tu Ou dis c'est voilà, papa qui écrit? l'écriture, je laisse papa tout faire et après moi je m'occupe juste à chanter. Non, moi j'écris mes textes et papa il modifie. Mais sinon, pour les textes de papa, c'est plus lui qui écrit, qui s'inspire de beaucoup de choses. C'est plus lui qui écrit ses textes à lui. Est-ce que c'est compliqué quand Ngungunamwana ou Hezobahi, alors que Bangungam Hezo, est-ce que ça gêne? Parce que Awakatiungauna, deux occupations, Kangamono, C'est beaucoup compliqué, surtout quand ça arrive à ce niveau-là. Lui, c'est le fils, il voit que les devants, il voit la lumière, mais il ne voit pas ce qu'on travaille derrière. C'est beaucoup plus compliqué là, maintenant que lui, ça marche. Et je pense, hein, je ne suis pas encore sûr que là, pour moi, je vais mettre ma carrière un peu de côté. Je sortirai des chansons pour plus de temps en temps, mais je vais me concentrer pour son travail parce que c'est plus lui que ça. Je pense qu'il y a un futur. C'est compliqué de travailler à deux, c'est vraiment, vraiment super compliqué. Alors, est-ce que ma fan a la prochaine date et quand on prépare ou fait un concert Moi. surtout avec ces crises sanitaires qui a duré ou en droit de j'imagine ma fan waouh il est passant à l'eau du mois de Ah, si tu dis, ouais, mais comment, c'est comment il fallait le concert. Surtout le dernier concert que j'ai fait, il me manque beaucoup. J'ai fait un concert à la place du Tsanda et j'ai jamais oublié. J'aimerais bien le refaire un jour. Et que maintenant, je suis avec mon fils, je pense qu'on fera Avec mieux Ryan, avec parce Ryan. qu'il fallait na rien. Bah, moi, je suis 100% Comorien et j'aime mon pays à 100%. Je me suis promis. Avant que même Rayad, là, on a peut-être des projets à venir où il va faire des premières parties des grands artistes d'ici. Mais je me promis, avant tout, le tout premier concert de Rayad, ça se passera aux Comores, comme moi j'ai fait, c'est mon pays. Ça se passera coûte que coûte aux Comores. Si ce n'est pas cet été, ça sera en décembre, mais en tout cas, je ferai tout pour aller cette année ou maximum l'année prochaine pour un concert de moi et Rayad. Et peut-être un grand artiste d'ici qui nous suivra aussi, Inch'Allah. Alors, tu es prêt à aller au Comores pour faire ton premier concert? Oui. En fait, c'est pas mon premier. Il Le a déjà dernier fait. concert que papa il a fait, j'étais dedans et le concert qu'il avait fait au Comore aussi. Ah oui, d'accord. Donc, on Fania va dire, Fania, c'est pas Bah, la cette première. époque-là, il ne chantait pas encore, mais il était encore dans le show parce que quand je suis allé, est-ce qu'il y a quand même un concert avec Tika Mais on est venu me chercher, viens voir ton fils, il fait le cinéma. J'ai couru, je suis parti, j'ai trouvé mon fils. Il y avait minimum 9 000 personnes. Et il s'est mis devant la scène avec un micro, ça, il ne chantait pas encore. Hein. Et il a fait le show pendant 20 minutes, il avait la scène tout seul et il s'est enjaillé. Donc il n'a pas oublié. Et on a les mémoires en vidéo, donc on regarde tout le temps. On a les mémoires. Et avec le Covid, attaque artiste, parce que tout se passe avec un communiqué, est-ce que Covid il joue un rôle dans soit fermé et carrière là-bas? Jamais Covid, c'est ça qui a fait la carrière de Ryan. Parce que je pense pas, sans le Covid, on n'aurait pas eu le temps de faire des chansons, on n'aurait pas eu le temps de faire des trucs. On chantait pour chanter. Chaque fois, on était enfermé à la maison.
on avait beaucoup de choses, on avait beaucoup de temps, donc c'est là on s'est mis à écrire, c'est là on s'est mis à faire chanson. Si demain le Covid il s'arrête et qu'il n'y a rien dimanche, on dira merci au Covid. C'est ça qu'il a été. C'est voilà Mohamed Abdou. Voilà Mohamed Abdou, mon frère. Nous avons des questions, nous avons des tu continues. Donc, comme le cas, ça se passe comment dans un agneau artiste ou à Komor Hamandawe? Est-ce qu'il y a une relation? Ça passe ça, pour la communauté, pour ceux qui chantent en Comorien. Est-ce qu'il y a une solidarité? Il y a une solidarité entre artistes comoriens. Je pense qu'il y a une solidarité entre amis. Parce que je pense, je vois beaucoup de artistes super connus par Dajirayad. Et pourtant, nous, chez nous, il y a beaucoup d'artistes comoriens. Je ne me plains pas parce que. Mais je suis obligé de me plaindre parce que demain, j'ai envie de dire que ça, je l'avais dit. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu aucun rappeur comorien connu partager Rayad. Et pourtant, tous les rappeurs français partagent Rayad. Même la télévision s'est déplacée. C'est vrai. Partagent. Après, je ne sais pas si c'est un manque de temps ou s'ils n'ont pas vu. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en a sur ceux qui sont super connus, qui sont dans le même niveau où Rayad il a envie d'aller, il n'y en a pas un qui a partagé pour l'instant. Et je ne sais pas si c'est un manque de solidarité. Mais en tout cas, parmi les artistes que je connais, ma communauté à moi, ceux qui chantent en comorien que je connais, parce que c'est eux que je fréquente le plus, il y a le plus par partage. Donc je tiens à les remercier. Donc, à manière soi, au sos à la ou par itis la yalla, ou zisokaya rehema, ça veut dire quoi rehema? La chanson ça s'appelle pas rehema, ça s'appelle ma rehema. En fait, et c'est de là c'est venu la chanson, ça s'appelle Marehema. Des barakaya, nous allons de l'honneur en fait. Ah oui, d'accord. Hommage. Alors, Rayad, tu penses à chanter comorien un jour ou... Bon, je sais pas si j'arrive à bien parler, à bien comprendre, peut-être. Donc, les carrières, nous avons une communauté comorienne en France. Est-ce que vous avez sentiment qu'il peut jouer un rôle ou il a encouragé l'artiste ou Amanda? Bien sûr, beaucoup. Parce que, à mon exemple, à mon avis, parce qu'il y a un rappeur de Sevran qui s'appelle Kalash Criminel qui a partagé Rayad, qui suit Rayad de derrière au Congo. C'est un Zaïrois. Donc, du coup, Zaïrois, quand Kiroka, c'est automatiquement, c'est un Zaïrois puisque c'est Kalash qui partage tout le temps. J'avais fait tous les Zaïrois, ils partageaient Rayad. Que ce soit la communauté, que ce soit tout le monde partageait Rayad. Vraiment, vraiment. Je suis venu un jour, j'ai fait une expérience, j'ai demandé sur Internet. Quelle origine est Rayad? J'ai marqué le drapeau comorien, j'ai mis le drapeau congolais, j'ai mis le drapeau zaïrois. Il y avait 90% des gens qui disaient que c'était zaïrois. Et c'était ce jour-là que les gens ont découvert que Rayad il était comorien. Donc j'ai perdu cette communauté-là. Parce que 50% ils sont partis parce qu'ils ont cru que c'était un enfant qui venait de chez eux. Mais je n'ai pas gagné derrière la communauté. J'ai gagné hein, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, au Comores, il est beaucoup écouté, surtout à Mayotte, surtout dans toutes les îles, il est beaucoup écouté. Mais il n'a pas gagné au même niveau qu'il était quand il était Zaïrois. Pourtant, il n'est pas Zaïrois, mais moi, je n'aurais pas pu résister. Tout le monde dit mon enfant, c'est un Zaïrois. J'étais obligé de montrer comme quoi c'est un Comorien, mais le drapeau en avant. Moi, en Islam, je suis en Kaya. Et bien, nous, il y a mon aïe Comori. Et mon aïe Kadish Comori, non? Il y a un jouet Badjiba, il y a un aïe Kadish Comori. Mais en parler, c'est tous les enfants d'ici, j'ai un peu du mal. Et j'ai fait tout pour qu'il puisse parler un jour, mais il comprend totalement tout ce qu'on dit en fait. Voilà, il y a un sommet si vous êtes en anglaisation d'ailleurs, il y a un sommet avec le Coran. Il y a un sommet avec le Coran parce que presque tous les dimanches, ça fait un petit moment là, parce que les dimanches, tous les dimanches, moi je sais lire, c'est comme ça, Macharaboulou en Libye, j'ai fait 5 ans en Libye. Je les fais lire les Fatiha, les Kulwallah, tous les petits sourates pour qu'ils puissent faire la prière. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui n'est pas bien, il sait, on l'apprend en tout cas. Alors, est-ce qu'on a envisagé de ça, maintenant on a évoqué le concert où on a souhaité ou remis comment, est-ce qu'on a souhaité de ça, on a fait un concert ou on a
Ici, on va laisser un peu le terrain un peu plus loin. Et envisagement, normalement, j'ai eu des propositions que coronavirus, Hissa, déjà fait une première partie des rappeurs super connus. Donc, on va essayer de faire ça en premier, où il se fait découvrir par le public. Parce qu'avant ça, Moudjoula et Majimbo, chacun se dit là physiquement. Donc, pour qu'il y ait du là physiquement, il faut y avoir la première partie, au moins deux. Et après, on fera un concert ici plus facilement. Et moi-même, personnellement, pour mon album, j'aimerais bien le défendre si le corona il s'arrête. J'aimerais bien faire un concert, mais à Marseille, parce que la communauté est beaucoup là-bas. Et je suis beaucoup souhaité là-bas et j'ai jamais fait de concert là-bas. J'aimerais bien faire un. On nous parle où Fania déjà? À Paris, j'ai déjà fait. J'ai fait plusieurs fois. Madame Mohamed Dabi. Ah non, non, bah nous des masseurs là, au quartier, on ne peut pas tout demander de l'air. On va insister au cas, ils aient le Coran, au cas où nous sommes avant nous, Alhamdulillah. C'est pour la business. Non, je vais répondre à cette question. Si vous voulez, on peut faire un petit interview un jour où il lit un peu ce qu'il peut. Parce que moi, je trouve ça important. On m'a donné la cadeau chez Office of, parce que j'avais du mal aux toutes les questions qui tombaient. Maintenant, tu peux me poser toutes les questions, Tout je à vais fait, répondre. Tu vois. Au début, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup du mal et ça me faisait grave mal de voir des questions qui me faisaient super mal. Mais au fur et à mesure, je me suis habitué. Si un jour vous voulez, on fera un jour où je vais présenter comme quoi il sait lire, comme je le faisais pour l'école. J'ai arrêté, mais au début, je sortais tous les vendredis ces carnets d'école pour montrer sur Instagram comme quoi il travaille bien à l'école. J'ai arrêté parce que maintenant, j'ai plus rien à prouver. J'ai essayé de prouver, mais si j'ai besoin de prouver aux Comoriens, je vais essayer de les prouver. C'est important, en fait. Quelle est la chanson préférée au cas où, parce que tu as dit que Mmh. Moi, ma chanson, c'est le plus commun Kifaku, c'est une chanson que je me suis inspiré d'une histoire réelle et qui fait super mal. Et c'est ma chanson préférée. Et je pense que c'est la chanson préférée de mon public aussi. Elle est plus difficile de Tungale Jimbo, lui composer après. Oh, je ne suis pas encore un compositeur, j'essaye. J'ai déjà qui me compose mes instrus, mais les plus difficiles, Minja a la difficulté parce qu'il y a déjà mes calendriers. J'ai jamais écrit un son. Avant, j'ai pas de difficulté, j'ai vraiment pas de difficulté par rapport à ça parce que Est-ce que vous inspirez une histoire ou que voilà, écoute, si c'est une histoire, il y a Biranga, vous inspirez une histoire, il y a une tout. C'est important, c'est comme ça que je fais mes chansons. Et c'est ma plupart des chansons, c'est tout le temps comme ça. Attendez, quand il y a une histoire, il dit Yaki, Mabang, Yaki, Wangwa Fumana. Ça, j'étais avec des gens qui ont parlé de ça et que c'est rentré dans ma tête et je vais le chanter. Ou j'ai fait ça, ou c'est fait ça, ou je connais quelqu'un qui a fait ça et je vais le raconter l'histoire. Je ne raconte pas n'importe quoi. Alors, si tu as un conseil à donner les enfants comme toi qui veulent faire de la musique demain, tu vas dire quoi? Moi, je dis à tous les enfants, je pense il y a un seul mot que j'aimerais dire, croyez en vos rêves. Faut pas qu'il lâche. Faut pas qu'il lâche. Et travaille bien à l'école. Parce que c'est ça les conditions, moi et lui. Donc, tous les parents doivent faire pareil. Peut-être les gens ils le voient pas comme ça, mais moi, mes conditions en premier, c'est où ils ramènent les bonnes notes, où on arrête toute la carrière. Tu vois. Et c'est important de faire ça. Les gens ils le voient pas, mais c'est ce que je fais vraiment. Alors, est-ce que quand on est un enfant issu de la diaspora, est-ce qu'on est fier, on montre, on le met devant et il a un si, on dit, bah, voilà, on espère une star internationale, on est un si d'abord. Non, moi, c'est mon pays, je suis fier d'être Comorien et j'ai toujours revendiqué vraiment aimer mon pays. Même si je vous ai dit, même si maintenant je dois y aller faire un truc, j'irai directement, je ne vais pas attendre. Ici en France, je vais bien attendre pour que ça soit bien ouvert, pour qu'un jour on remplisse Bercy. Mais aux Comores, même si on remplit Alkamar, je suis content. Et les fans, ils demandent quoi quand on a dit en privé, est-ce que vous avez une pression, même ma fan, surtout les périodes de Corona, quand ma famille a Camille, ou à concert, ou Watsuka contre ya soit conférence. Est-ce que vous exigez que ya écoute va nourrir les meilleurs régions d'arri? Ouais, c'est exigeant et surtout il y en a beaucoup qui partent parce que surtout moi j'ai l'habitude tous les années j'allais au Comores faire un concert et là ça fait 2 ans je suis pas allé et ça faisait 2 ans j'ai pas sorti un projet sérieux
Donc il y en a beaucoup. J'ai eu du mal. Là, j'avais sorti un dernier clip, c'est ce que je disais à mon réalisateur Smito qui est là. Ça n'a pas pris comme les autres parce que peut-être les gens ils m'avaient oublié pendant cette période de coronavirus. Ou peut-être Ayad il a pris dessus et mon public est parti vers Ayad, peut-être. Ça peut être ça. Est-ce qu'un artiste comorien, est-ce que Mbrouanda Mbavi, moi j'ai un coup d'œil de la politique, est-ce que ça l'intéresse? On me dit voilà, écoute, c'est la politique, je ne me mêle pas, j'ai fait ma musique, je continue. Non, moi personnellement, je m'intéresse un peu à tout, surtout la politique, parce que. Je dénonce deux fois dans la politique, mais comme je vous ai dit, ouais, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais je balance tout le temps des mots, ça m'intéresse parce que c'est mon pays. Si demain le pays avance, ça sera grâce à la politique. Donc si ça ne nous intéresse pas, c'est que le pays ne va pas avancer. Moi, on ne peut pas faire semblant de dire que voilà, je suis artiste, la politique, ce n'est pas moi, non, je m'en fous. La politique, ça fait partie de l'inspiration. Même les rappeurs français s'inspirent de la politique. Demain, tu vas entendre quelqu'un insulter Macron, insulter Truquet, mais c'est politique. On est obligé. Si tu sors des discours, c'est que tu es un politicien. Donc tu es obligé de rentrer dans la politique. C'est obligatoire. Est-ce que Ngonoka Eta et surtout Eta Comoré, ils ont quelque chose à apporter pour l'artiste comoré? Ils ont beaucoup à apporter. Il y a un défaut lourd aux Comores, c'est que tu peux être même méga connu. C'est vraiment rare de toucher quelque part de la SACEM. Peut-être qu'il doit y avoir deux artistes ou trois maximum qui touchent leurs droits. Même les droits YouTube, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de truc. Si, il n'y a aucun. Il y a même peut-être il y a pas une structure qui fait que la musique ils peuvent avancer. Il y a pas de ministre. Même la ministre de la Culture, j'ai jamais entendu qu'il parle de musique ou qu'il fait un truc de jeune. Donc c'est il y a pas. Est-ce que tu as un projet aussi de Chamle? Surtout Anna et Mabana regarde. J'ai un projet, je l'ai entendu, c'est surtout que je discute aujourd'hui avec une cousine à moi. Ils veulent faire un hôpital. Moi, si demain Rayad y marche, c'est la première chose que j'aimerais bien faire, c'est aider d'abord les villages, et aider d'abord les jeunes. En fait, c'est un truc qui me tiendra à cœur, qui me fera beaucoup plaisir d'aider. Je n'ai pas encore les moyens, donc je ne peux pas aider. Mais si les moyens viennent et que je vois qu'il y a un chemin où Rayad il peut apporter au village de Chamblé, surtout parce que c'est mon village, je le ferai avec plaisir, avec le grand plaisir. Et j'espère que je vais participer à l'hôpital qui va être construit bientôt. C'est très bien. Oui, Chamblé, salut. Nourdine, Chia Nourdine, Ali Abdou. Abdou, Lunga, un morceau de manière technicien. Moshi lori rema Moinde wa heri na miuti jo mfumbo anayiso ni mwamishende Yoni wakati na juha msomba mgoza tuzemele Heri na inandoso hede ningo juha ya mba urende Kadonu zisa zijiro mguju oba nunjo shinda ni membe Ye kadoni sisa ngamani wala ye kadoni toma oshoni C'est sorti nous. Univerema, nimfanyile zenjema, yabala sharalema, shakano shindori rema. Surtout, Mohamed Abdou, Shukuriao, le privilège à l'œil, nous, Kaori, il est battu chez le bruit de Comor, là, qui. Islamou, Rejei, toujours, et Massou, Alayahe, et va nous établir, et Manaho, il y a des Mouhezadi international. Gedjaka Tamira, mais là, je suis dans le chemin, et je ferai tout pour qu'il arrive jusqu'à là. Voilà. Toute ma force, je vais la faire, je vais la donner pour qu'il arrive jusqu'à ce point-là. C'est très bien. Et quel est le message que tu as adressé à la communauté comorienne quand il a dit moi porter arma artiste c'est pas qu'à d'avoir ya dit c'est un artiste comorien tout ça avance et musique tout ça message de nous envoyer à la communauté comorienne.
Bah, messager, en fait, je pense que je l'ai lancé déjà parce que tu n'as qu'un exemple, il est à Congo, il est à Zaïrois. Le plus grand message, c'est que c'est la communauté qui fait marcher la musique. Si aujourd'hui Diamond il est international, c'est parce que d'abord la Tanzanie, toute la communauté tanzanienne, j'ai regardé. On a 1 million de vues, quoi, tu es obligé à Wangali. Donc, c'est qu'entre nous qu'on peut s'entraider. Et car si un ami honore, il voudra nous dire à Wangardjohen. Car, comme tu vois, car tu partages, on ne va pas avancer. Tout le bénéfice, si demain Rayad, il a peut-être 1 million ou des gens qui le suivent, mais il y aura deux personnes qui seront, il y aura 2 millions qui seront en bénéfice par rapport au Comore, parce que c'est un Comorien, tout son investissement, on le fera au Comore. Donc c'est un petit jeune Comorien, normalement, on le donne, on fait, c'est comme si c'était une entreprise, on fait tout pour que l'entreprise y avance. Alors Ryan, toi tu reçois des messages pour tes fans ou ils t'écrivent tes fans ou bien? Bah oui, souvent, j'en ai beaucoup de messages sur mon téléphone, d'accord? J'en ai encore beaucoup, mais oui, souvent, même sur Instagram, sur Snap, Est-ce que tu as partout. le temps de répondre ou sinon tu dis voilà, j'ai mes Ah, devoirs, sur j'ai les mes réseaux, trucs. c'est moi, c'est surtout c'est moi. Il a de temps en temps un téléphone là où je le connecte. S'il faut vraiment, je lui fais un partage de connexion pour qu'il aille voir Snap. Mais sur Instagram, il n'est pas là-bas. Et sur Facebook, tout ça, il n'est pas là-bas. Il est encore enfant, donc. Tout à Les fait, réseaux c'est très sociaux, c'est bien. super dangereux, donc il est pas, il voit rien, il voit pas ni le succès, ni le truc, il l'entend. Quand il sort dehors, il voit que les gens ils le reconnaissent, mais il voit pas tout ce qui se passe à Mais l'intérieur des réseaux sociaux. Amada la puissance, Amada la puissance, ou chez les Isokaya, ou chez les Oye Conseria, ou en diamant. Non, je devais faire un concert avec Damon, mais ça a été annulé Diamant. par rapport au coronavirus. C'est surtout, c'était pas dans la période. C'était Voilà. rachetée. Est-ce que MHD, on le faisait. ah, On le faisait, on le faisait. est-ce que vous Moi, fikiriez je dis à madame la puissance. un jour où Dieu où projet il réalisait, il y en a des mois. Moi, j'étais un invité. J'étais un invité. Et mon organisateur, dès que le concert se fera, et ça se refera pareil, je serai là. Parce que Et quand quand j'ai fini chez Marseille. quand Quand j'ai fini chez Marseille, le mois d'août dernier. Et comme par hasard, c'était ce mois-là qu'il fallait tout bloquer, ça a tout bloqué. On n'a pas pu le faire. C'est surtout on a vu que tu sais tu as beaucoup des amis quand vous vous aidez à vous encourager ni vous donner force à ma MHD. J'ai beaucoup, j'aime beaucoup. On ne se connaît pas physiquement. Mais j'aime beaucoup ce gars-là parce que, surtout les jeunes influenceurs qui sont aux Comores et il y en a qui sont ici, ils nous soutiennent beaucoup. Ils nous soutiennent beaucoup par rapport aux musiques. Les mecs comme ça, comme MHD, qui utilisent leur son par rapport à leurs vidéos comédiens. Et ça nous soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je tiens à les remercier et à toute mon équipe et aussi à ceux qui soutiennent derrière. Voilà, il est là, il écoute très bien là. Il Ah, regarde ce chiant qu'il y a. ils ont un babano. Au moyen soyez aux Isokaya, Kutsinajimbo, l'Irema est dictature, il l'a massouane. Ah, non, moi j'attaque pas dictature ou pas dictature. Tous les gouvernements qui seront là, on va les attaquer. Écoute, écoute, C'est mais le quoi? système, hein. Ah, c'est le système. Même si le gars il est bien, mais il aura toujours des petits problèmes, il aura toujours un chat. Donc, on va toujours les attaquer. Donc, il n'y a pas de dictature ou pas de dictature. Tous ceux qui seront au pouvoir, on les attaquera parce que tout ce qu'ils feront de mal, on le dira. Voilà. Omour Jamali, Nguzi Sotena Ukaya, est-ce que Rayad Katsina Jimbo Harmoy album ya Animen. Non, non, album ya Kor ya Korouk. Korouk, ouais. Non, Korouk, comme je disais, Korouk, Tireje Korouk. Isa Mazahale, Tireje Je voyais pas mon fils mettre dans des trucs comme ça parce que le but du jeu, c'est que lui-même il dit pas de gros mots dans ses Ça chansons. Donc, et moi dans mes chansons, c'est le contraire. Donc, j'essaye pas de lui mettre dedans, tu vois. J'essaie pas de lui mettre dedans. Je ne l'ai pas mis dedans Voilà. du tout. Il y a des Monsieur sons, on a enregistré des sons pour vous faire plaisir, mais ça viendra plus tard. Ça, c'est pas dans l'album. Est-ce que les finances, c'est important parce que ce sont des clips bizarres ou ce sont des clips qui coûtent cher. Est-ce que c'est important et finances, armoire et artistes ou réaliser clips en magazine?
Bien sûr, c'est super important et je pense qu'un clip ça coûte cher. Malgré, heureusement, moi j'ai deux frères qui m'aident, surtout les deux frères qui sont là, c'est eux qui réalisent tous mes clips. J'ai des frères qui m'aident, mais il y a toujours quand même besoin des trucs. Il y a tout ce qu'on voit derrière, on les loue. Donc ça coûte super, ça coûte un blinde, même si malgré que les réalisateurs, et c'est des gens qui je donne des pourboires, c'est des amis, je donne ce que j'ai envie. Est-ce que ça peut vous freiner une carrière Bien sûr, ça peut vraiment, vraiment. Si j'avais pas d'argent du tout, bah, rien ne marcherait pas. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai mis ce qui peut construire une maison en Comore pour la musique de Rayad. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est surtout beaucoup d'argent si tu veux faire un truc sérieusement. Et je vous ai dit déjà, heureusement, les clips, c'est des pourboires que je donne à mes amis. Ça, on ne me fait pas payer ce que je devais payer au nombre de clips. Mais c'est tous les décos qu'il y a derrière, il faut les payer. Ce n'est pas tes amis. Bien sûr, bien sûr. Kawotso, il y a un fan, un soprano. Et ici, il y a ma coronado, il y a un là. Pourquoi ma coronado? Ma coronado, moi, comme un demande moi donné, il y a un jaspiré sauf une cocohango. Parce que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère et j'ai jamais oublié ces paroles jusqu'à maintenant. Tout à fait, parce que je suis parti au Comores, j'étais tout petit. Mais je suis parti au Comores, à la fin, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que c'est ma cournoulou. En fait, moi j'ai compris que le ma cournoulou, c'est tu ramènes ton flow, tu es quelqu'un. Donc j'ai gardé ce nom jusqu'à maintenant. Et là, tu m'as appris un deuxième truc qui aujourd'hui, que ma cournoulou, ça veut dire publicité. Tout à fait, c'est ça. C'est une bonne chose quand même. Est-ce que le scandale dit, est-ce qu'ils se mettent bien comoriens, ils ont un rôle à jouer de scénarma et artistes comoriens ou bien chez l'étranger? Ouais, ils ont un rôle à jouer, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui jouent le rôle, il y en a qui ne jouent pas. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent le rôle. Il y a ORTC, je tiens à le remercier. De temps en temps, ils mettent nos sons et ça nous fait plaisir. Et moi, personnellement, c'est la deuxième fois que je suis invité dans une émission comorienne. La première fois, c'était Ortega. Et je tiens à le remercier aussi. Et la deuxième fois, c'est vous. En espérant que ça continue et comme ça, qu'on soit invité que, de temps en temps pour parler de nos projets. Alors, Ryan, toi, tu dis, écoute, papa, merci, parce que c'est grâce à toi que si je veux le star international. Ou bien tu dis, voilà, c'est un devoir de papa. Oh, je continue à travailler. Non, moi je remercie beaucoup mon père, c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui enregistre mes sons, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré depuis que je suis tout petit, je m'inspirais beaucoup de lui et voilà. Donc sans papa, malgré le talent, on n'aura jamais connu Ryan alors. Gabriel Ben Reis, mais c'est où il a homouja, mais je suis à Djibumba, il fait qu'il a hindi ni à Kautsonga ou Terre et Anniharma et musique, mais je suis à Zamba Bamandoni, mais c'est pas avant de la Java. Et musique, Hotera Yadi, Tsoka Mitchell Dazin, Tija Djibazo Studio, un jour Hadja Jenner, papa, je comprends pas, mais on a singé à Mandon Heze, Nabewan Ruka ou Ashley Aoka. Quand tu es le là, il a chanté un petit son, il a chanté vraiment pour rigoler. Et là, pendant le confinement, j'avais une histoire, pendant le confinement, on a fait des petits sons qui étaient là. On s'est dit, vas-y, venez, on fait un clip, on n'a rien à faire. Et on a fait le premier son, la Banks, pendant le confinement. On a vu l'ampleur que ça a pris. Ça a déjà tapé les 1 million de vues, plus de 1 million de vues. Donc. On s'est dit 1 million de vues, si on les perd, ça va peut-être pas revenir, donc il vaut mieux continuer. Et là, on a continué sa carrière. Là, jusqu'à maintenant, on est à son cinquième clip. Et les cinq clips, ça marche. C'est très bien. Alors, on a été technicien, on a son Rayad. Il y a un Tukufa Lunga ou à Rambouez et musique à Rayad aussi. Il est connu plus que papa. Même si c'est papa qui l'a. Hein, tu savais pas que je faisais de la chanson. Petit bonhomme devient grand danson. Pas là pour décorer, moi j'avais un volet. Tout le monde peut compter sur moi quand faut donner. J'aimerais décoller, car là je suis en bois. Donnez-moi dire un son, ratez le sommet. Ça les gêne, je sais que je suis dans les gènes. Mais hier, un peu de doute m'a gêné. Big up si t'aimes. Et si t'aimes pas, frérot, dis-le, moi sans pas gêner. De toute façon, le rap, c'est juste ma passion. Mon manager m'a dit, Rayad, fais attention. Ces gens-là, je connais leur intention. Si à lui, j'appelle déjà sur location.
Ça prend combien de temps pour faire une chanson, Ryan, pour écrire une chanson comme celui-là? Pour écrire? Oui. Pour écrire, on va dire 1 ou 2 jours. Pour écrire, c'est rapide, mais pour finir vraiment un son, bien finir, on peut dire 1 semaine. Est-ce que on a Ryan de la première fois au Fanyazona? Est-ce que tout de suite tu sentais il a talent ou Fanyazi attend qu'on découvre qu'avant avec Ryan ça va marcher? Non, de toute façon, moi depuis qu'il a 3 ans, il y a beaucoup de gens, tous les gens qui me connaissent et qui le connaissent directement, ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose qui va faire, qui va marcher en fait, parce que depuis tout petit, il a ses mains qui bougent et il a toujours été devant les scènes, il aime beaucoup la musique. Et j'avais compris qu'un jour il serait un artiste, après pas comme il est maintenant, mais je savais qu'un jour il allait chanter coûte que coûte. C'est surtout où on a vu des médias français se déplacer, faire un reportage à Ryan. Ça se passait comment? Est-ce que c'était surpris? Ça s'est passé comment, premier coup de fil, ça se passe comment? De toute façon, nous, en fait, quand on a commencé, quand on a vu que ça marchait beaucoup, la première chose, on sait ce qui se passe pour un artiste, c'est de se mettre dans la tête que demain, si même Ryan il fait les 2 millions de vues, qu'il ne se pète pas la tête, qu'on ne craque pas, qu'on devient normal. Donc, même que ça soit grand média, même là, demain, TF1 nous appelle, je pense qu'on va trouver ça normal parce qu'on s'est préparé dans le cerveau que ça va arriver. Et là, maintenant, on est là et ça coûte que coûte, ça va arriver. Donc, le cerveau s'est préparé. Même si demain, TF1 nous appelle, ça ne va pas nous déplacer. Et il y a moins, ça s'est passé comment? Ou alors, on dit déplacer ou à dire ou non? Les premiers médias ou à dire ou non? C'est la même chose, c'était France O. C'était France O. Ils se sont déplacés, ils ont vu les musiques de Ryan, ils se sont intéressés. Et ils sont venus dire, ils ont contacté son manager, là il est manager, et le manager il a accepté directement, et on a fait la première mission, on a fait direct, ils sont venus, on l'a réalisé. Ça y est, Ryan dit les stars. Ça y est, Ryan dit les stars. Voilà, ça y est, Ryan dit les stars. Ce soir, avant de s'en occuper, est-ce qu'on va faire quelque chose? Ryan, donc, il y a une musique, ni football, les deux choses en même temps. Les deux choses en même temps, ça ne serait pas le seul. J'ai vu un rappeur qui fait ça. Donc, s'il y en a un qui l'a fait, c'est qu'on peut le faire. En fait, ça dépend de la volonté. Et je pense que Ryan, c'est quelqu'un de volonté. Il adore plus le foot que la musique. Mm-hmm. Moi, je ne vais pas avoir peur de le dire. Mm-hmm. Il préfère le foot. Donc, il se donne à fond dans le foot. Si demain, le foot, il marche plus que la musique, bah, c'est ce qu'il aime le plus. Et il partira vers le foot. Il arrêtera ou peut-être il chantera. De temps en temps, si demain la musique marche 10 000 fois que le foot, et il fera du foot pour se faire plaisir, mais la musique lui donnera à manger. Donc, coûte que coûte, vaut mieux multiplier les chances qu'avoir qu'une seule chance. Est-ce que vous envisagez un jour où vous faites un concert à Ryan, finalement, en Afrique, au Congo, ouais. Au cas où Ryan était plus connu, est-ce que vous envisagez un jour profiter, dire, ben voilà, parce que Ryan est le plus connu là-bas que chez au Comores, est-ce qu'il a déjà fait un concert? C'est ce qui m'a donné l'envie de faire plus vite possible pour faire un concert au Comores, c'est pour pouvoir aller ailleurs. Parce que moi, c'est important pour moi que ce soit le premier concert, que ce soit au Comores. Et Ryan, il est souhaité un peu partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Guinée-Conakry, que ce soit au Zaïre, que ce soit au Congo, il est souhaité vraiment partout, on aimerait bien partir. Et on a des gens qui connaissent déjà le terrain, parce qu'on travaille avec un gars qui s'appelle Yadfa, et qui est son bras droit, qui s'appelle Kalash Criminel, qui connaît un peu beaucoup le terrain, qui fait des grands concerts. Et la suite, c'est de faire tous ces pays-là qu'ils aiment beaucoup, Ryan, d'aller faire des concerts, parce que je pense qu'il a déjà beaucoup de public en Afrique et en France. Ça serait pas mal de faire un tournée, mais d'abord, il faut le faire au Comores avant de tout commencer. Il a dit moi Comores, communauté comorienne, je soutiens les artistes, je soutiens les artistes à Comores, surtout la Ryan, du cas où c'est un jeune artiste comorien, quand vous faites fierté à Comores, à Comores, on dit, on a nom Lunga, il a dit moi, ma compagnie, c'est lié même YouTube, vous avez des vidéos sur YouTube, il y a un rôle de Zion, il y a un encouragement, Maoulou, Ryan, il a chiné, il a réalisé ses rêves, fanya te concert partout un peu dans le monde. Mon nom est Mohamed Abdou. Non, bon, mais c'est on nous encourage au Hakoyou
comment ça s'appelle Oui, il y a un petit jeune, c'est un depuis Rayad, on pense que Rayad c'était vraiment le premier enfant qui jeune qui rappait actuellement. Et depuis là, on a vu qu'il y a beaucoup de petits qui arrivent. Là récemment, on a vu un petit qui s'appelait Manso, c'est un petit Algérien qui rappe super bien. On a juste partagé parce qu'on aimait bien. Après, on a vu que le petit aussi, il était fan de Rayad et il nous disait que c'est une inspiration de Rayad, c'est une inspiration de Rayad et ça nous a beaucoup plu parce qu'il rappe super bien. Mm-hmm. Et on s'est dit pourquoi pas les mettre ensemble pour collaborer un ou deux morceaux ensemble. Et comme c'est les enfants, plus ils y sont, plus ils vont être écoutés. Là, il est tout seul, il n'est pas. Il est tout seul, mais s'ils sont deux, trois petits qui rappent comme ça, à mon avis, ils seront plus écoutés par la France. Donc, vaut mieux soutenir. Là, j'ai vu ce petit-là et on s'est mis en collaboration. Bientôt, il y aura un son de E2 qui va sortir. Inch'Allah. Et oui, mon son, il y a une collaboration avec un artiste qui est en Comore. Si, je collabore beaucoup avec les chanteurs qui chantent en comorien, les rappeurs qui chantent en comorien, presque eux tous. Je collabore parce que dans tous les projets, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les rappeurs. Et la plupart, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Île-de-France, j'ai mon studio à la maison. Et je les appelle tous à venir enregistrer à la maison. Donc, je suis en collaboration avec beaucoup d'acteurs. Mais pas ceux qui sont dans les millions, là. J'ai pas encore des connaissances. Et les chanteurs franco-comorais, par exemple, comme Soprano ou Rof? Non, Soprano, Alonso, Soprano et Rof. La dernière fois, j'étais beaucoup étonné parce que je sais que je sais pas s'ils voient, mais je sais que surtout Alonso, j'ai vu qu'il a vu parce qu'il a liké, mais il a loupé ça parce qu'il a pas partagé. Et c'est ça qui leur a donné un peu de force. Donc, je sais que lui, il a vu Alonso, mais les autres, je sais pas encore. Oui, allô. Oui. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ngarongo sina lobi. Oui, d'accord. Je suis là où la réforme, tu couf. Oui, en fait, Moudjivana Nalayan, franchement, parce que je n'ai jamais vu depuis le jour que je suis né. Nationalité comorienne, parce que même si je n'ai pas de ça, j'ai toujours nationalité étrangère. Donc, ça m'a fait plaisir aujourd'hui que je vois petit garçon comorien qui fait le métier. Mais soit comme moi, c'est Rihanna, problème Zima. Et quand aussi Rihanna, on a ce qu'elle a contrôlé. Alors j'ai posé question. La soeur m'a dit que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en. Pourquoi? Parce que le projet est en différence. Donc, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me. Donc, madame, on a la musique, ma chanteur. On a un financement au fond, manager. Parce qu'il y a des problèmes de niveau, mais manager des fonds, machine moto, il a développé, il dit, il y a un territoire, il doit avoir une machine de la ronde. Par exemple, comme YouTube, parce que YouTube, parfois, il paye les gens, ça dépend au fond. Et quand on demande un jour, il dit, il y a des gens qui durent. Donc, je voulais savoir, est-ce que Ryan, est-ce que ça, il y a un projet qui a des skidules, il y a un son de YouTube ou pas encore? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a moins de? Qu'est-ce qu'il y a vite fait dans une musique? Il y a un projet, il y a un renard, on va chercher parce qu'on a ce qu'on a intervenu, comme Soprano, comme Alonso, comme Rof, comme Sultan. Mais, on a aussi le directeur qui a dit qu'il y a un courage et un moto. Il y a un petit courage. Donc, on a trouvé un truc comme ça. Mais, on a vu des vidéos, franchement, on a vu des clips. Donc, on a vu des clips.
ila mapesa ya familia baba ila de hazma baba yafanya ufinance e clip itourne mana studio deja baba in studio meyo tijatosha emo to mana studio de baba tisawa na studio bi demo to ya pesa ya rohe elewa mana studio baba in studio la honi chega studio zoha ju washinde warengeze music za emo to ile tashinde ya ya perse amaki ama sali mazuki wa he au sana mabaha he kum soprano kum alonzo on romanda ho eske e possibilité ngio au kaisi d'accord ok avoir jour kayo bon bon mais c'est les aller la bili c'est plus facile parce que il sali déjà tout ça ni la possibilité il y est parce que j'ai fait tous mes efforts, c'est mon travail dira raha kan jasinye mahalani en tout cas Wanguangalia YouTube halio ngarliwa okutkekutu c'est on a tous les droits partout zesozara ya dingizo dans toutes les plateformes de téléchargement que ça soit sur iTunes, Spotify, tout ça et ils sont dedans. Donc tout cet argent, tous ceux qui écoutent, ils lui donnent un peu de coup de main sans le savoir ou qu'ils le savent, ils le donnent un coup de main. Mais au niveau de financièrement, Rakartina Production, c'est moi-même qui fais. On a eu peut-être des propositions. Chami, moi, mon fils, je le vois encore petit. Je préfère garder la main et produire moi-même et donner toute ma force dedans. Si un jour, demain, les gens ils me remercient, si les Comoriens ils partagent au max et que les gens ils regardent sur YouTube, peut-être demain, je vais arrêter de financer de ma poche et prendre tout ce qu'il y a sur YouTube financé pour Ayad jusqu'à arriver où on veut y aller. On va faire des conditions avec des maisons de disques, mais on... En aucun cas, je ferai signer Ayad pour un contrat d'artiste. Il est trop petit et je ne le vois pas aller lui donner à Sony, à truquer. Mais on fera des contrats avec eux pour que la musique de Ayad... Parce qu'on est obligé, au fur et à mesure, on est obligé ou de contacter dans un endroit où nous, les maisons de disques, Jojo March, Jojo Fanatar, Jiki en contact, comme on a déjà commencé les démarches. Mais sans avoir une signature de quelqu'un, Jojo Finance, si, voici. Et là, en parlant de ça, j'ai lancé un ensemble Rayad, les survêtements qu'on porte là. J'ai lancé un site internet. Il y a des frères, il y en a qui nous aident par rapport à ça. Parce que si tu achètes un survêtement qui coûte 30 euros, ces 30 euros là, on l'investira sur Rayad, sur le projet à venir. Donc, au début, j'ai tout financé moi-même. Maintenant, j'ai fait. On peut acheter uniquement sur internet. Hein. On peut acheter. Non, tu peux m'appeler, tu peux même contacter sur truc. Moi, je me déplace et je le dépose sur ce truc. Et tous ces 30 euros-là, ça m'aide déjà parce que les projets à venir, et quand Kabidin Tri est 5 000 euros, on a mis au taux à 2 000 parce qu'il y a déjà 3 000 qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes. Et YouTube, comment on dit, si on a dit, on fait comment? C'est grave facile, tu vas sur YouTube, tu tapes Rayad, pour Rayad, et pour moi c'est RDJB, ou tu tapes RDJB, ou tu tapes Makomulu Gang, un des deux, et tu vas tomber sur mes soins. Bon, Gabo, moi, je suis Mohamed, je suis Manema Djimboya, Rayad, pour que je parle pas de Sakaoulou, là, je suis Comorien. Si, le deuxième son qui s'appelle Alaise, le refrain est en Comorien. Il y a des petits mots en Comorien. Ça sera pas la fin, les prochains sons, il mettra des petits sons en comorien. Marhema, là, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup difficile, que les gens me voient autant que quelqu'un de difficile, autant que peut-être... quelqu'un qui osera pas dire ce qu'il pense dans son cœur. Moi, je suis avec une femme que je suis super bien avec. Dans tous mes projets, à part le dernier là, je l'ai toujours dédié à un son. Des fois, c'est un peu difficile parce que je raconte un peu des trucs, mais je l'ai toujours dédié à un son et c'était mon avant-dernier album. J'avais décidé de lui dédier ce son qui s'appelait Marhema. Gabo Nourdine Ali Abdou, ce matin, il y a un mot important concernant les survêtements. On doit jouer et nous avons joué ces survêtements sur Marseille. Les survêtements sur Marseille, il y a le site internet où on peut commander, envoyer par PayPal l'argent et moi je le poste. Ou directement m'envoyer l'argent à moi sur PayPal et moi je lui envoie sur les survêtements. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont. Je sais que j'ai envoyé même en Angleterre.
c'est parti, tu vois. Il y en a un qui m'a commandé, j'ai envoyé, donc c'est parti. À Marseille, c'est pas plus loin que là-bas. Voilà, on ordine, on ordine le chien. Ah, t'es technique, ça dure comme un morceau. Ndelewezo na mbao, toali ya makalima ya jao, minga mjoba kisha ya mguru, hata mpaka tila ziwa, obao, rap ya kisafarin, ya ho alone marumbe majin. Bravo, 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 bravo. Arono va nous commentaire. Amboka ya chaîne libre ni dori ni ka chale o mukaze mukaza mukaze taji. Ah, ali ono wajibi. Ah, chaîne libre dori ni ka ida ya chale o. Na rayad. Ah, leo rayad. Ouais, c'est ça. Namna kwenda na urnika ibahati no privilege ino ri ili radisisi na o wa mabone wa chaîne libre de Comore ndo wa couvrir ou à jouer alors madame ma connu quel est message que tu as adressé immédiat ya wa Comore quand on nous oula ya au harmaye pour céder à ces années je n'ai dit pas le message n'a dit pas cette situation que les médias ou à quel assis parce que si les deux choses à voir du lavat pour l'oua du sous arrêt du c'est important d'avoir des artistes dans un pays, d'avoir des gens qui peuvent parler. Parce que la musique, nous avons dit que nous avons journal que nous avons dit que nous avons et c'est important d'avoir des gens qui parlent dans un pays. Donc, comme j'ai considéré, parce que ça veut dire que vous n'allez pas avancer. Et c'est, je tiens à vous remercier, vous, que vous avez fait le premier pas, en espérant que les autres ils vont le faire. Parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer. Sans les artistes, je pense qu'il n'y a pas de médias, même ici, même partout. Ils ont besoin des artistes. Il y a des chanteurs, il y a des gens qui font de la danse. Ce n'est pas qu'un artiste qui chante. Il y a des gens qui ont des sociétés. Je pense que tous ces gens-là, il faut les réunir. Et il y a que comme ça, il n'y a que vous qui peuvent les faire découvrir. En fait. En premier. Madame Mohamed Abdou. Alors, Rayad, est-ce que tu as un message particulier à donner aux téléspectateurs qui nous suivent? Non. Merci déjà d'être sur le live et merci d'écouter mes sons Moi, mais de mourir de Wingen Sujini et Makatiano, où tu as joué l'album ya Koruku, il n'y a pas de Koruku. Pourquoi Koruku? Koruku, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que je dis. Est-ce que vous avez compris le Koruk, ça veut dire quoi? Vous avez compris? Oui. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, mais dans tous mes albums, j'ai balancé un truc. Le premier, il s'appelait Sandouk. Le deuxième, il s'appelle Koruk. Et le troisième, il s'appelle Koruk parce que Koruk, c'est il n'y a pas de Doukou. Il n'y a pas de Doukou. Kabati Doukou, il n'y a pas de Tukiza. Sandouk, c'est une valise. Et là, Koruk, c'est... C'est Koruk, c'est ça le dernier. Hein. On dort pas. Koruk, c'est on dort pas. Ntinaruk, voilà. Je dors bien quand j'aurai le temps, mais pas l'instant, je n'ai pas le temps de dormir, donc c'est Koruk. Voilà. Okay. Ça fait plaisir. Tout le monde dit bravo, bravo. Merci. Ok, gardez-vous nos Tunisie ou Pangouhat. Quand vous avez message, vous avez donné antenne. Message Ndrini. Amisou. Le message Nadjo, je fais d'abord un message d'encouragement et un message de remerciement à tous ceux qui me soutiennent et surtout ceux qui sont près de moi. Parce que, et moi, tout le monde a un million de ça, il a un avocat qui a un million de ça, il a un million de ça, il a un million de ça. Moi, je tiens à les remercier. Il y a un gars qui d'ici qui s'appelle Yadfa. Et je tiens à remercier Alidjo et Smito qui sont là parce que c'est sans eux, on n'aurait pas avancé. Je tiens à remercier tout le public qui nous écoute, que ce soit moi, que ce soit Rayad, et je tiens à remercier tous les médias comoriens parce que maintenant on va changer, on va avancer vers l'avant et puis c'est tout. Quelle optimisme, les épaisseurs questions que j'ai au cou, namna dit on doit jouer dans des survêtements, on doit éliter nos ordures avance. On doit jouer dans des survêtements. Il y a un lien qui est sur mon Facebook qui s'appelait la boutique Le R sur internet. Ou sinon, on peut m'envoyer un message sur Facebook, sur Makronoulou Gang,
m'envoyer un message, on est entre nous, on peut se parler, se donner rendez-vous et s'offrir les survêtements. Voilà, on mettra le lien sur la vidéo là, comme ça tous ceux qui veulent les survêtements, ils peuvent les tout commander. Tout à fait, ouais, parce il y a les survêtements pour les enfants, il y en a pour les grands et un peu pour tout le monde. Très bien, très bien, très bien. Okay. Ari shukuri yao watukufuwa hee shende bude kumona na kwa udunga rumazi nitaza hee mongoza femu umastahamili urudunga waka wazima ni artisti wa hatu nende mwanya si makono lugangi na jena rayad kao wawuba hewese piko nuke papa mtojole repete kao warnika bahati privilege ino aruma shende bude kumona hili ujira hadisi sina huu usikuwa leo unu na mboshele marahaba na mboshele zanukaya na mwakuraj m'encourage à venir à YouTube, à venir à voir des vidéos, sur YouTube, à partager les réseaux sociaux. Ili ruankuraje ya artisti mkomori na mshukula na maraba na mduwa ni confiance uka yanga mjuzifanya uka nyehanze maartisti wa hanyu, nyehanze maartisti wa komori ama ngeendo mshukula na mshukula na maraba umastamili rudunga na mshukula ni amara ya saya ama kumulia ya rayati panuwa sheme yao vanu uka ya ritsibaira wajaheza mnamorso mzima ewa ritsibaira wajaheza mnamorso mzima okay, abangabo yekete kinsi hari doni sinyi ngujurni kama na morso na usinye memoire e cahier de memoire ukao ya heshi ni bude kumori. En tout cas, rishukuria manari rinipangu mwema bati manani et surtout Rayad et bonne continuation arjo kanamote na kajeru udunga armaze konseriza ujukona nozifanya me udunga yekete Voilà, c'est ça. Je suis la date d'aujourd'hui, on est le 14. On est le 15. Le 15, voilà. Le 15, ben. Toujours une question très concrète. Je suis le Comori, je suis le Comori. Le Comori, je suis le Comori parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, mais je suis en train de trouver une solution parce que quand on a eu les prises, je suis en train de chercher une solution. Je suis prêt à faire 50 euros et 30 euros, on s'en fout. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. J'essaie de trouver un moyen de faire ça moins cher. Et que ça soit moins cher au Comor et puisse les envoyer la banque à Zoukaï à Tsiouliabo. D'ici un mois, je vais tout faire pour que ça soit au Comor. Ok, très place. Adjo, nous l'élea et technicien, il y a un peu de morceaux. Kaori, il y a un peu de pango. Il y a un peu de YouTube. Il y a un peu de YouTube. Il y a visité. Makon Luganga mdu parisa haura yes. Rayad mdu parisa zemor sezopia kao Rayad vahe se installe connu international ama de namna ramba mwankuraje Rayad parce que yede manarjo sediana maudu kangwavens artiste mkoma wa marhaba sante nima ya duwa na nae Leo shonga shahe katuanza na baki yale loa nae Leo nga wobani yae ajaya ya regeze doma na zahe Ezao wanaho uonde ushingi yore baho Ajua ngujitaho wo uto na mana ya haho Ezao wanaho ngushingi yore baho Ajua ngujitaho wo uto na mana ya haho Umratiza mraji na mrenge Nge utije na zililo La womani no mwengondo watenge Umru wa mbulio Umratiza mraji na mrenge Nge utije na zililo La womani no mwengondo watenge Umru wa mbulio Bravo. Bravo. Marhaba na nashukuria wakao wa kwa mwenye plateau ya heshima kwa 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 marhaba menji ardo nana informatia sa na artisti wa nyumeni tena marhaba menji marhaba menji sha wan rwa tsidwaze maudu nga sina za emission bilizo ya 14h à 17h 14h ngabo ma invité wa joka ujawa one sebavi ezili lozahao zajir komor za mwana ya fa ya ulwaya faina donc wadzadzaha he wadzadzaha no maulu wadzewa releze a partir ya 14h
à la fou 17h le grand Mompao ngasina 104% Mompao udjava vaya rono c'est un projet ya ya 104 Sidera Zulu voilà. Merci beaucoup. Marhaba Santa.